Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve tout de suite maintenant. Je vais vous transmettre une évolution sentimentale pour aujourd'hui. L'évolution sentimentale que je peux, voilà, le message que je peux vous transmettre pour aujourd'hui. Vous faites bien preuve de discernement, ça pourra pas parler à tout le monde. Voilà, c'est du général. Hein. Donc, si ça vous parle, c'est pour vous. Si ça vous parle pas ou vous hésitez, vous le laissez de côté. Voilà. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Moi, ça va. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci pour vos likes. Merci pour votre participation. Merci pour tout, pour tout, pour tout. Et donc, on va voir l'évolution que je peux, le message que je peux vous apporter, le précieux message que je peux vous apporter pour votre évolution sentimentale aujourd'hui. Alors, on prend l'ange qui va vous accompagner dans votre sphère sentimentale et son précieux conseil. C'est l'ange mystique, continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non, attendez-vous à ce qu'il y ait des solutions qui s'offrent à vous comme par miracle. Donc là, il y a un miracle qui arrive d'ordre sentimental dans votre sphère sentimentale. Continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non, voilà. Soit un non que vous vous mettez à l'intérieur même de vous, ou alors les autres. Les autres qui essayent de vous dissuader, de vous détourner, de vous dire non, pas si, fais pas si, fais pas ça, d'ordre sentimental. Ensuite, il y a l'ange azur qui vous dit qu'il y a un souhait. Là, aujourd'hui, il y a un souhait dans votre sentimental, dans votre sphère sentimentale, il y a un souhait qui se réalise prochainement. Ayez confiance et soyez patient, ne forcez pas les choses. Ne forcez rien parce que tout arrive à vous sans rien forcer aujourd'hui. D'accord? Voilà. Magnifique. Je vais prendre un message avec ce magnifique oracle. Donc la personne de votre cœur à gauche, vous à droite, ce que la personne de votre cœur a à vous dire aujourd'hui, en ce lundi. Alors, la personne de votre cœur veut vous dire qu'il va y avoir un visuel entre vous, hein, ça va pas tarder, hein. Ça peut être fin de journée, un visuel. Il y a un visuel entre vous. Cette personne se prépare à faire un visuel avec vous. Cette personne veut vous dire aussi qu'elle regrette. Elle regrette profondément ses erreurs et le mal qu'elle vous a fait. Le mal occasionné. Autour de vous, il peut y avoir des jaloux qui essayent de vous nuire de part et d'autre. Des personnes connues, peut-être inconnues. Ça peut être... des fois, c'est autour de la personne de votre cœur. Et des fois, c'est vous, autour de vous, en fait. C'est jamais pareil, c'est toujours changeant. Ok. Alors, vous voulez dire à cette personne que oui, vous souhaiteriez vous rendre plus disponible pour cette personne. Donc, vous ne serez pas dans le refus de faire un visuel avec cette personne. Et que vous allez vous ouvrir pour être plus disponible pour cette personne. Mais sans perdre votre équilibre professionnellement, financièrement... par vos amis aussi, votre famille, voyez, vous arriverez à mettre tout en équilibre hein, par la suite. Donc oui, mais là, je vois que vous allez accorder une disponibilité, ouvrir un créneau. Ouvrir un créneau pour cette personne, mais non, mais non. ça peut être une rencontre, cette personne revient vers vous par le biais de votre professionnel. C'est une personne qui regrette, hein. Cette personne vous a fait du mal, vous a peut-être pas tout dit, peut-être d'ordre sentimental, son sentimental passé. Il y a des choses qu'on n'a pas dit, hein. Il y a des choses qu'on ne vous a pas dites, qu'à l'heure actuelle on vous a cachées, on ne vous a pas tout dit lié à son sentimental passé. On a hésité à vous dire quelque chose. Je pense que cette personne ne va plus hésiter. Vous voulez dire à cette personne que quand vous pensez à elle, votre cœur s'emballe et c'est magique. Et tous les deux, en fait, voilà.
L'amour vous rend très maladroit. Là, on a oublié de. Pour moi, on a oublié de vous dire certaines choses. Peut-être qu'on vous a menti. Hein. On vous a menti lié au sentimental de cette personne passée. On vous a menti. Cette personne ne vous a pas tout dit. On ne vous a pas tout dit. On a caché des choses. Mais pour moi, en fait, cette personne a été vraiment maladroite. C'est parce que l'amour, en fait, ça a été déclenché. Et vous voyez, en fait, c'est pas qu'on n'a pas pensé, mais on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit. Et de ne pas tout dire, ça a pu occasionner un mensonge. On n'a pas été au bout de ce que l'on devait dire. Ce que j'ai. J'espère que ça vous parlera. Ok. Alors, je vous transmets le message que j'ai écrit de si bon matin pour vous. Je le partage. Alors, on parle d'une histoire qui va débuter dès cette semaine. On me parle que vous allez absolument tout vous dire et ne rien vous cacher. Sur votre passé, dans n'importe quel domaine, ça peut. On me parle que vous êtes. Je vois deux personnes qui vont débuter une histoire dès cette semaine. Vous êtes deux personnes qui ont. Je vois deux personnes qui ont vraiment besoin d'être rassurées, qu'on se rassure. Mais voyez, dans l'équilibre aussi. On se rassure, mais c'est pas on se sur-rassure. Vous voyez, il faut. Voilà. On se sur-rassure pas, on se sur-protège pas, on se protège et on se rassure. Mais dans l'équilibre. En fait, je vois deux personnes qui ont vraiment, dès le départ, hein, dès cette semaine, vous allez vraiment avoir besoin de. De vous rassurer. Je vois qu'il faudra vraiment absolument tout vous dire. Au risque, si vous vous dites pas tout, en fait, de ne jamais, en fait, enfin voilà, ça peut être, vous pouvez très vite être sur le fil du rasoir et que ça se termine. Et de ne jamais revenir, en fait, hein, si vous, enfin, faut vraiment tout vous dire. Et en vous disant tout, ça va bien sceller toute la confiance que vous aurez l'un envers l'autre. Et au fil du temps, ben voilà, de tout vous dire aussi. Voilà. Ok. Donc pas de. Là, je ressens vraiment pas de cachotterie l'un envers l'autre. Hein. Alors aujourd'hui, c'est la carte du pardon. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Donc voilà, arrêtez de concentrer votre énergie dès à présent liée à votre sphère sentimentale sur les événements qui sont passés. Hein. Parce que là, votre vie est précieuse pour être gâchée, donc il faut vraiment aller de l'avant. Vous allez créer votre réalité. Là, vous pensez énormément, vous avez plein de rêves, vous imaginez plein de rêves, vous pensez à énormément de rêves dans votre sentimental et vous allez créer votre réalité et
tout est en train de se créer et vous allez avoir une vie vraiment précieuse. Et vous allez. Je vois que plus rien ne pourra être gâché, en fait, hein. Plus rien. De ce que j'ai là. On va prendre un message avec ce magnifique. Le blanc. Mon essence profonde et lumineuse et pure. Donc là, votre essence est profonde, lumineuse et pure. Donc soyez lumineux, soyez pur. Dans les conversations avec. Dans votre sentimental, soyez. Voilà. Soyez lumineux, soyez pur. Donc lumineux. Apportez du positif. Dites des choses positives l'un et envers l'autre. Soyez lumineux et pur. Et pur. Pur, pur, pur. Soyez pur. Pur. Pur dans vos actions. Qu'il n'y ait pas de. Voyez, pur dans vos actions, pur dans vos pensées. Qu'il n'y ait pas. Une attention derrière. Voyez, je te donne ça parce que je veux ça en échange. Non. De ce que j'ai. Ok. Alors, je vais prendre un message avec ce magnifique oracle pour votre sphère sentimentale. Oh, c'était 11-11. Allez, on va regarder un petit peu dans la sphère sentimentale. Donc, sentimentale, c'est pareil, hein. Ça peut être relationnel, ça peut être avec les collègues, ça peut être avec votre famille, ça peut être avec votre famille. Voilà. Ou alors vraiment sentimentale, sentimentale. Alors là, je peux avoir une personne qui est fatiguée. Corps, âme, esprit, on est fatigué. On. Je vois un voyage qui va pouvoir se faire. Un voyage qui va apporter du succès. Ça va être un succès. Je vois un voyage. Ouais, il y a un déplacement peut-être vers une maison. Vers votre maison cette semaine. Pour souder une amitié, renforcer un lien amical. On veut absolument le renforcer. Mais pas que un. C'est un lien fraternel et on se sent comme à la maison avec vous. On sent de votre famille, même si on n'est pas de votre famille, on a un lien. Je vois que cette personne. Je vois une personne qui va s'actionner. Alors, c'est soit vous, soit la personne de votre cœur. Mais on va s'actionner dès cette semaine pour ressouder, reformer un. Un main dans la main. Amical, fraternel. Hein. Dans des liens, dans des valeurs très profondes. Hein. On s'actionne vers quelque chose qui s'est arrêté. Mais on s'actionne vers l'avant pour que ça réussisse. Ça réussisse une nouvelle fois. Une nouvelle chance. Oh oui, regardez. Oh, transformation. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, voilà, il y a un voyage, un déplacement qui va être fait. Hein. Et ça peut être juste, on pense à un voyage, mais on va s'actionner par tout autre moyen. Hein. Mais voilà, on fonce droit en avant pour resserrer des liens. Alors attention, il peut y avoir des hypocrisies dans l'administratif autour de vous. Il peut y avoir, voilà, vous pouvez, ça peut vous déprimer tout cela. Il y a de l'hypocrisie, peut-être des mensonges liés à de l'administratif. Voilà, et on fonce vers pour renouer un lien qui nous tient à cœur aussi. Hein. Ça va nous permettre d'avoir un équilibre, autant l'un, autant l'autre. On s'actionne vers quelque chose qui nous apportait énormément d'équilibre, de la stabilité, de la sûreté, de la sécurité. Tout quoi. Hein. Je vois le retour aussi dans votre famille, de part et d'autre, un équilibre. Peut-être que vous avez eu un souci ou plusieurs soucis ou des événements, des problèmes. Bon, j'aime pas trop. Voilà, il y a quelque chose qui est arrivé à vous, ça vous a fait du mal.
C'est durant cet automne, vous pouvez avoir 30 ans et plus, mais là il y a quelque chose qui se réchauffe lié à tout cela. À tout ce qui a pu se passer dans votre vie, peu importe le domaine, quel qu'il soit, un ou plusieurs. Et ça va être vraiment sur un temps limité, donc ça peut être là, dès cette semaine, attendez-vous à l'inattendu, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, il y a quelque chose qui arrive, qui va être surprenant, qui va vous porter énormément de chance. Voilà, tout ce que je pouvais vous transmettre. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, vous désirez le faire. Chouchoutez-vous durant votre lundi. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances, vidéos, messages, etc., etc. À très très